Je suis en direct, je te rappelle. Je suis en direct. C'est pas la peine de t'embrouiller de trucs. La date n'est pas encore arrivée. Hein? Je suis en direct, je te rappelle tout à l'heure. Alors, dès que tu es connecté, tu partages. Dès que tu es connecté. Dès que tu es connecté, tu partages. On va discuter un peu. Mettez les cœurs et partagez. Dès que vous êtes connecté, mettez les cœurs, partagez, protégez le direct. Mettez les cœurs, partagez, protégez le direct. C'est dimanche, on ne va pas trop parler. Alors, avant tout, je voulais dire à certaines personnes sur les réseaux sociaux, je voulais dire quelque chose à certaines personnes. Ce week-end-là, j'ai pris le temps de répondre à certaines personnes, certains impolis, qui, parce que on dit que tu es pasteur, ou parce qu'on dit que tu es serviteur de Dieu, ou je ne sais quoi, ils peuvent venir t'insulter bêtement. C'est-à-dire qu'ils viennent, tu as fait une vidéo, ou tu as fait un post. Ils ont juste à, soit béni à Manilou, ils ont juste à donner leur argument. S'ils ne sont pas contents, ils ne sont pas d'accord, ils peuvent dire, ben, écoute, je ne suis pas d'accord avec ça. S'ils sont d'accord, ils peuvent dire, je suis d'accord, ils peuvent laisser leur argument. Tranquillement, paisiblement. Et il y a des gens, mais vraiment de très mal élevés, qui arrivent comme ça sur des postes. Et sans te connaître, sans rien du tout, ils sont là, première parole. C'est des injures. Toi, tu es un mot maudit. Toi, tu es un ceci. Et puis, il commence à parler. Alors, cette semaine, depuis avant-hier, ceux qui me suivent ont remarqué, moi, j'ai pris le temps de vous, de les répondre. Mais je les ai répondu comme la manière dont ils sont là. Je suis rentré en eux. Ça fait partie de la Bible de Atia Normal. C'est la Bible d'Atia Normal. C'est-à-dire, la Bible Atia Normal, le livre de la réponse, chapitre 1, verset 1. Souvent, ne les répondez pas pour ne pas les faire croire qu'ils sont importants. Et parfois, répondez-les pire que ce qu'ils ont dit pour ne pas qu'ils croient que vous êtes des robots. Donc, je voulais dire ça à certaines personnes qui pensent qu'ils ont le monopole des injures. Ils viennent, ils pensent que parce qu'on a dit tu es bishop, tu es pasteur, ils vont venir t'insulter. Déjà, quand toi, il y a un là, il a commencé à bien le limer, l'insulter même. Prends la photo de ses parents, son visage sale, j'ai tout pris, j'ai mis. J'ai dit, toi, tu es sale comme ça, et puis tu dis que tu as réussi ta vie. J'ai commencé à le laver. Au moins, il s'est rendu compte que le monsieur, là, en tout cas, il a du répondant. Il dit, oh, pourtant, tu dis que tu es homme de Dieu. Donc, toi, tu savais que tu étais homme de Dieu? Et puis tu es venu me traiter de bâtard, et tu es venu dès ton premier commentaire, tu es venu m'insulter. Tu savais que j'étais homme de Dieu, mais je suis homme de Dieu, je ne suis pas un robot. Regarde ici, je suis un humain.
Il y a une femme qui m'a mis dans, qui est restée dans son ventre pendant 9 mois. Je suis né, j'ai des douleurs comme tout le monde, je pleure comme tout le monde. Donc, quand tu viens insulter quelqu'un, tu peux pas venir sur le fait que, ouais, il dit qu'il est homme de Dieu et puis il me répond, il m'insulte. Mon frère, il y a des moments où je ne réponds pas parce que ça ne me dit rien. Mais il y a des fois où je vais te laver, te maudire, t'insulter aussi, te dire des choses. Je prends la photo de ton père, de ta mère, de toutes tes choses vilaines, vilaines là. Je vais exposer ça et puis t'insulter là-dessus. Faut pas dire, oh, il dit il est serviteur de Dieu, il n'est pas serviteur de Dieu. Si c'est à cause de ça, on ne doit pas aller au paradis. Que Dieu ferme le paradis. Moi, je m'en fous. Mais c'est trop facile de venir à chaque fois sur des commentaires insulter des gens que vous ne connaissez pas. C'est trop facile de venir, dès que vous venez sur un commentaire, au lieu de vous exprimer simplement, calmement, de dire vos pensées, dès que vous arrivez, toi tu es un maudit, toi tu es un ceci, et voilà encore un ignorant, voilà encore un ceci, toi tu es cela, mais toi tu es qui? Il y a un là ce matin, je l'ai bien allumé, il était couché sur mon lit, mes pieds l'allumaient. J'étais là allumé, c'est un esclave de la société, il conduit, je sais pas, il soulève bagage toute sa vie. Tu vas voir la photo de ses enfants, même ils ont encore besoin de lui. Il vient se chercher la malédiction. Il y a un qui a commencé à insulter, j'ai commencé à le répondre, et puis il me dit, de toute façon, moi j'ai réussi ma vie. Je vais sur sa page, je regarde son visage est sale. La maison où il dort, là, c'est une maison en bois pourri, avec des rideaux partout, sale, sale comme ça. Ses enfants sont... Ça veut dire qu'il est sale, vit dans un taudis, dans un ghetto. J'ai pris ses photos, la capture d'écran. J'ai exposé. Et puis, il dit, toi, comme ça, là, tu dis, tu as reçu ta vie. Frère, même mes chiens, j'ai deux bergers allemands, plus un autre chien de race. Mes chiens mangent mieux que toi. Mes chiens sont plus heureux que toi. La viande que mes chiens mangent, là, tu peux pas manger ça. Tu comprends? Tu as reçu quelle vie? J'ai des terrains partout. Hein? J'ai au moins 3 ou 4 voitures. J'ai même des voitures dans certains pays qui sont là-bas qui m'attendent. Quand j'arrive, je roule dedans. J'ai ma vie paisible, j'ai ma vie tranquille. Tiens, quoi? C'est pas parce qu'on ne vient pas exposer sa vie comme certains malheureux sur les réseaux sociaux pour dire, oh, j'ai fait ça, j'ai l'argent, je compte l'argent, il fait ceci. Mais respectez les gens. Hein? Des malheureux de foi qui n'ont rien à manger, qui cherchent à s'en sortir. D'autres même bientôt, ils vont prendre pirogue pour vouloir traverser la mer, pour venir manger mes miettes que je jette à la poubelle ici. C'est eux qui sont là. Il y a même d'autres aussi, ils laissent commentaire. Hein? De toute façon, nous on a Abidjan ici. Abidjan, il y a quoi? Abidjan n'est pas plus beau que le Ghana. C'est pas plus beau que l'Afrique du Sud. C'est pas plus beau que le Rwanda. C'est pas plus beau que certains pays. Hein? Je suis ivoirien de nationalité, j'ai la nationalité d'origine, j'ai la nationalité française. Je voyage partout dans le monde entier. Les pays que je connais, là où je dors, les hôtels dans lesquels je dors, la nourriture que je mange, tu ne connaîtras jamais ça dans ta vie. Tu ne connaîtras jamais ça dans ta vie. J'ai 4 enfants métis, très beaux, des enfants avec des qualités. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais avoir ça. Même poil de Excel de femme blanche, tu ne vas jamais sentir ça avant de trucs. Oh, moi, je suis là, j'ai connu Indien, j'ai connu Chinois, j'ai connu... Je vais tout t'expliquer. Même sur le gars, j'ai connu rien. Le bonheur, là, j'ai vécu dedans jusqu'à... Je suis assis dedans encore. Donc, quand vous venez, vous êtes malheureux. Chaque matin, vous respirez la poussière. Chaque soir, vous mangez la poussière. La nuit, vous dormez dans la boue. Vous êtes sale, ignorant. Vous n'avez rien dans votre vie. Vous êtes en train de vous chercher. Votre salaire n'arrive même pas à payer votre loyer pour dire que ça va s'occuper de vos enfants. Vous venez sur les réseaux sociaux parce que vous voyez quelqu'un qui avait une publication. Oh, toi, tu es un malheureux. Oh, toi, tu es un maudit. Oh, voici un encore. Moi, deux fois, je ne vous réponds pas parce que vous n'êtes pas important. Mais parfois, je prends mon temps pour bien vous limer, vous laver, vous... C'est-à-dire que je vous montre que la bouche que vous avez là, il y a des gens qui ont ça aussi, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas utiliser. Donc, il y en a plusieurs là.
J'ai commencé à les attaquer. Oh, je sais ce que je voulais voir. Je voulais voir que tu étais un homme de Dieu. Oh, j'attendais que tu montres ton côté sauvage. Tu n'as rien vu encore. Ça, c'est côté sauvage, tu as vu. Mais côté malédiction, et puis côté où on va te mettre dans ce cercueil, t'enterrer, tes parents vont pleurer là. Ça, tu n'as pas encore vu. Vous êtes sur les réseaux sociaux là. Pensez à votre vie. Et pensez à la vie de vos enfants. Pensez à votre vie. Vous venez vous mettre sur les réseaux sociaux pour attaquer des gens que vous ne connaissez pas, insulter des gens que vous ne connaissez pas, à cause d'un pouvoir quelconque qui va jamais, le jour où tu vas mourir, tes parents vont pleurer pour te mettre dans le tombeau là. S'il y a un président de la République, ou bien il y a un parti politique, ou bien un gouvernement qui va aller te ressusciter là, ce jour-là, ils vont venir insulter tout le monde. Donc ça, c'est un petit avertissement que je suis en train de vous dire. Celui qui croit que il a le monopole des injures et qui vient à chaque fois laisser des commentaires d'injures. Quand on te répond pas, c'est pas parce qu'on a peur de toi. Quand on te répond pas là, c'est parce que tu n'es rien. C'est parce qu'on s'en fout de toi. C'est parce qu'on n'a pas ton temps. Deux fois même, je supprime ton commentaire pour te prouver que tu n'es pas important. Deux fois, je l'ignore, je réponds même pas. Mais quand on vous fait ça, vous croyez que les gens ont peur. Quand on vous fait ça, vous croyez que les gens ne peuvent plus parler. Si c'est moi, et que tu vas dire, oh, parce que c'est un pasteur, je vais l'insulter bêtement. Je suis le seul, parmi tous ceux qui disent qu'ils sont hommes de Dieu sur cette terre, que tu vas venir insulter, puis te regarder. Tu insultes ma mère, j'insulte ta mère, ta grand-mère, tes aïeux. Je prends la photo de tes enfants, je te maudis, toi et tes enfants, un à un. Je saccage ta famille. Tu es venu m'attaquer tout seul. J'attaque toute ta famille. J'expose toute ta misère. Et puis j'ouvre la tête, je te mets dedans. Parce que de la manière que ta mère t'a mis au monde et qu'elle était contente que tu sois né, c'est de cette manière que ma mère m'a mis au monde et qu'elle était contente que je sois né. Vous n'êtes pas plus important, mieux que quelqu'un, pour venir vous asseoir et puis insulter bêtement les gens dans vos commentaires. Et deux fois, tu regardes leur nom. Ce sont même pas des Ivoiriens. Il y a un là, je regardais, c'était un Togolais. Quand je l'ai vu, je regardais toutes ces images, j'ai vu que c'est un Togolais, il est en Côte d'Ivoire. Tu es en Côte d'Ivoire, tu es immigré, tu es au Togo. Depuis quand moi je vais aller au Togo, puis même ma bouche dans les affaires des Togolais. Même si le Togo me donne la nationalité un jour, ou bien le Ghana me donne la nationalité, je vais jamais, jamais, jamais mettre ma bouche dans leur problème. Ça me regarde pas. Tu as compris? Tu es Togolais. On t'a donné la nationalité ivoirienne, peut-être, tu es en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu peux venir insulter un Ivoirien? Il y a un même qui dit, oh, je connais mon village. Toi, tu as un seul village. Moi, j'ai des villages en Côte d'Ivoire. J'ai des villages en Côte d'Ivoire. C'est pas un. Tu comprends? Donc, quand vous venez sur les réseaux sociaux, d'autres, tu regardes leur nom, tu sais que c'est un Burkinabé, c'est un Malien. C'est quelqu'un qui n'est pas Ivoirien. Tu regardes son visage, sa photo. Tu regardes tout ce qu'il a. Tu sais que ce n'est même pas un Ivoirien. Et c'est eux qui ont des dents pourries, des gorges pourries, des culs pourries, des ventres pourries, qui viennent ouvrir leur bouche pour insulter les gens. Alors moi, je vous dis quelque chose. Moi là, Facebook m'a bloqué jusqu'à fatiguer. Ils m'ont mis en restreint jusqu'à fatiguer. Injure là, il n'y a pas de diplôme pour insulter quelqu'un. Il n'y a pas école pour insulter quelqu'un. Si vous ne respectez pas les gens, si tu veux commenter, tu commentes. Tu dis ce que tu penses. Ce n'est pas grave. Tu n'es pas d'accord, tu dis, ah ça là, je ne suis pas d'accord, voilà, voilà, donne ton argument. Mais tu viens, et puis tout de suite, toi tu es un maudit, toi tu es un ceci, tu commences à insulter la paix, toi tu es qui pour venir insulter les gens? Toi tu n'as rien à manger, tu es bête, tu viens insulter les gens comment? Mon congélateur est rempli, mon frigo est rempli, l'argent j'en ai, j'ai tout ce que Dieu peut donner à quelqu'un sur cette terre. Mes enfants sont heureux. Toi, tu peux m'apporter quoi? Ko, viens à Abidjan. Abidjan, on est heureux. Il y a quel bonheur à Abidjan? La dictature à Abidjan. Où je suis, c'est là, je parle, je suis à l'aise. Tout ce que je veux faire, je fais, je suis à l'aise. Abidjan, viens à Abidjan. Quand j'ai envie de voyager dans un pays africain, je voyage. Il n'y a pas qu'à Abidjan qui, où il y a le soleil. Et puis, ce que tu manges, prakali, gumbule, sauce graine, garba, keke, tout ce que tu manges, je mange ça ici. Même à Paris, ici, il y a maquis. Il y a maquis à Paris. Tout ce que tu veux, il y en a ici, partout dans le monde entier. Ça est là. C'est toi qui as envie d'être à ma place, mais tu ne pourras jamais être à ma place. Donc, arrêtez d'insulter bêtement les gens. Vous êtes des pauvres personnes au cerveau limité, à la cervelle de mouton, qu'on vous tire à l'abattoir. Vous n'avez rien à faire que d'insulter les gens. Donc, ça, c'est une parenthèse. Pour dire aux gens,
qui pensent que quand ils laissent des commentaires d'injures, on ne peut pas les répondre parce que deux fois on ne les répond pas, parce que deux fois on supprime, parce que deux fois on ignore. Et ils sont tout en train d'insulter. C'est pour vous dire qu'il y a deux fois, on va vous répondre. Il y a des fois, je vais vous répondre. Parce que moi, là, je n'ai pas honte de quelqu'un. Oh, c'est un pasteur, pourquoi il parle comme ça? J'ai dépassé ce stade. C'est un homme de Dieu, il ne doit pas insulter, j'ai dépassé ce stade. Tu insultes ma mère, je suis ta mère, je suis ton grand-père, je suis tes aïeux. Même ta fille qui vient de naître là, si elle est femme, j'insulte aussi son... Si c'est ton fils là, je le maudis. Tout ce que tu as, je saccage tout. Ça, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Et je n'ai pas honte de le dire, je n'ai pas peur de le dire. Je ne fais pas partie des gens où Jésus a dit, où la Bible dit, on te gifle ici, il faut donner l'autre. Moi, jamais. Ce verset-là, ça ne s'applique pas sur ma vie. Pour moi, là, on dit, on t'a giflé, il faut donner l'autre. On n'a pas terminé le verset. Quand on a dit, si tu as, on t'a giflé ici, il faut donner l'autre, là, je donne l'autre. Quand je finis de donner l'autre, le verset n'est pas terminé. On ne me dit pas, quand j'ai fini de donner l'autre, qu'est-ce que je dois faire? Donc, tu as giflé ici, je te donne l'autre. J'ai fini de te donner l'autre, et puis je t'engage. Je te termine. Voilà. Parce qu'on dit, si on te gifle sur la joue droite, donne la joue gauche. Tu as giflé droite, je te donne gauche. J'ai respecté la parole, j'ai respecté le verset. Mais à la fin, là, on n'a jamais dit, qu'est-ce que je dois faire? Donc, c'est moi qui décide ce que je dois faire. Si elle te gorge, elle te gorge. Si elle te poignarde, elle te poignarde. Si elle te tue, elle te tue. Si elle te gifle aussi, elle te gifle aussi. Vous avez bien compris? Donc ne croyez pas que vous avez la possibilité d'insulter les hommes de Dieu, les pasteurs pour rien. S'il y a d'autres qui ont honte de répondre à cause de leur cravate, de leur veste, ou bien ils font semblant, ils murmurent chez eux, ils grognent chez eux, moi je ne suis pas dedans. Moi là, je suis rouge, tu me vois rouge, je suis noir, tu me vois noir, je suis vert, tu me vois vert. Ce que j'ai envie de te dire là, je te dis, si je veux dire ta mère, je dis ta mère. Je dis ton père, je dis ton père. Celui qui veut, il ne faut pas avoir croire à moi, il ne faut pas avoir croire à mon ministère, il n'a qu'à me laisser. Mais je suis humain et je demeure humain. Tu ne peux pas venir m'insulter bêtement sur les commentaires matin, midi, soir. Je ne suis pas poubelle de quelqu'un. Quand je suis né là, ce n'est pas écrit sur mon front poubelle. Donc, les bêtes, bêtes, là. Et puis, il y a un qui dit, oh, je voulais voir ton côté animal. Oh, lui, là aussi, il dit, l'homme de Dieu. Et Dieu. Ah, tu savais que j'étais homme de Dieu? Tu savais que j'étais homme de Dieu? Et puis, tu es venu laisser ton commentaire d'injure? Tu savais que j'étais quoi, homme de Dieu? Et puis, tu es venu, ta première parole, c'est toi, tu es maudit. Tu savais que j'étais homme de Dieu? Et puis, tu es venu, tu as commencé à m'insulter. Maintenant que je te réponds, c'est là que tu sais que je suis homme de Dieu. Hypocrite, va. Je vous réponds bien. Et puis je vais rentrer prendre vos photos, capture d'écran. Je vous insulte avec vos parents, toute votre famille. Quand je finis là, je vous maudis chez moi ici et puis je vous tue à distance. Moi, je ne suis pas vos pasteurs comédiens là. Les comédiens, ils sont là, ils font semblant, ils bougent chez eux, ils parlent dans leur gorge. Moi, ils ne parlent pas dans la gorge. Ce qui est dans mon ventre, ça sort dans ma bouche. Viens m'insulter. Et puis tu vas croire que je vais te regarder. Si tu veux, il faut dénoncer à Facebook. Il faut faire ce que tu veux. Facebook n'a qu'à me bloquer pendant 2 mois. Ils vont me débloquer après. Ils n'ont qu'à me bloquer pendant 40 ans. J'ai plusieurs comptes. C'est-à-dire que pour dire il a peur, il va répondre, il ne va pas répondre. Je vais le signaler. J'ai dépassé ce stade. J'ai dépassé ce stade de faire semblant de plaire aux gens. J'ai dit une fois, si j'ai envie d'enlever ma pile en public, j'enlève. J'ai pas peur de quelqu'un. Si elle veut me tourner, montrer mes fesses, le trou de mon cul, je me tourne et puis je vous montre. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je n'ai pas honte de quelqu'un. Je suis fier d'être ce que je suis. Je ne joue pas la comédie. Je suis ce que je suis. Je reste comme ça. Point. Ça me va bien. Si Dieu n'est pas content, il n'a qu'à fermer le paradis. Faut pas, moi là, il n'a qu'à barrer mon nom. Faut pas, je vais rentrer là-bas. Mais je ne permettrai jamais à quelqu'un de me ridiculiser bêtement. Voilà. Si David a tué puis il a allé au ciel, moi je ne vais pas tout au ciel. Si Gédéon a tué puis il a allé au ciel, je ne vais pas tout au ciel. Si Moïse a tué, il est parti au ciel, je ne vais pas tout au ciel. Si Élie a tué puis il est parti au ciel, je ne vais pas tout au ciel. Le Dieu qui a permis à Israël de faire la guerre, là, et puis après la guerre, il les envoie au ciel, là, il va m'envoyer au ciel aussi. Là où les gens qui ont combattu sont au ciel, là, je vais rester à côté d'eux là-bas. Écoutez bien. Ok. Alors. Dans vos commentaires d'injures matin, midi, soir, vous venez sur un direct. Dès que vous voyez le titre,
Vous venez sur une publication, dès que vous voyez le titre, vous n'écoutez jamais pour savoir qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit, pour laisser vos arguments. Ah, voilà encore un maudit. Voilà encore un ceci. Oh, lui là, c'est un bâtard. Oh, lui là, c'est un ceci. Moi, je ne suis pas enfant de quelqu'un. Hein. Je ne suis pas. Moi, je n'ai pas honte. Hein. Je n'ai pas peur. Hein. Où me voit là, il ne fait jamais semblant. Hein. C'est moi, Soko Nikobi, je te dis, Nikobi. Je n'ai même pas de problème. Celui qui dit que parce que j'ai dit ça, il ne veut plus prier à moi. Demande où je m'en fous, tu vas où tu veux. Celui qui ne veut plus prier à moi parce que j'ai dit ma vérité, il dégage, point. Il dégage. Je ne cherche pas client. Je ne suis pas commerçant. Je ne suis pas commerçant. Je ne fais pas semblant pour que quelqu'un me suive. C'est moi, ce qu'on est comme bille, c'est qu'on est comme bille. Si je veux prier après, je prie. Cet esprit est toujours là. Je m'en fous de quelqu'un. Jésus lui-même, là, il est rentré dans le temple. Et il a cassé tout. Vous savez que Jésus a insulté? Quand Jésus dit race de vipères, quand Jésus dit hypocrite, tombeau blanchi, il a cassé les choses des gens dans le temple là. Vous croyez qu'il n'était pas fâché? Que tu es un pasteur, il ne faut pas répondre. Donc les pasteurs, c'est des murs, c'est des robots. Mon ami Kouane, je ne suis pas robot de quelqu'un, je ne suis pas mu de quelqu'un, je ne suis pas poubelle de quelqu'un. Ta mère qui t'a mis au monde, c'est ta mal éduquée. Elle t'a dit, va insulter les gens. Tu arrives sur moi, je suis ta mère, je suis ton père, je suis ton grand-père. Si tu as des enfants, je les insulte. Quand ils finissent de les insulter, je vous maudis tous. Tout ce qu'ils peuvent faire pour que vous mouriez en haine, je vais le faire. Je ne vais pas vous laisser. Parce que de la manière que vous vous aimez là, c'est comme ça, moi aussi je m'aime. Voilà. Vous n'êtes rien. Vos vestes de troutounou, yougou yougou, vous achetez pour vous asseoir pour insulter les gens. Vos bouches sales sales, il y a un là. Attends, il y a un, je vais le montrer. Parce que quand il parle là, les gens pensent que. Attends. On va voir quelque chose. Voilà. Voilà moi des têtes comme ça. Je vais vous montrer des têtes. Je vais vous montrer des têtes. Regarde-moi tête de quelqu'un comme ça. Qui vient insulter. Et puis qui dit que lui l'a reçu dans sa vie. Regarde-moi une tête comme ça. Hein? Regarde-moi sa tête. C'est lui qui dit qu'il a réussi dans sa vie. Quand tu regardes son visage, sa tête, il ressemble à Ivoirien. Quand tu vois quelqu'un comme ça, il ressemble à Ivoirien. Hmm? Regarde-moi des gens comme ça. Regarde-moi des gens bêtes comme ça, qui ont faim, qui ont fumé, je ne sais pas quoi, qui sont là, qui cherchent à manger, se lèvent matin, il ne sait même pas ce qu'il va manger. C'est lui qui, des gens comme ça. Des gens comme ça. Regarde-moi. Regarde-moi des maudits comme ça, là. Regarde les têtes. Regarde lui, là. Regarde des moutons comme ça. Regarde. Regarde-moi lui là. À son âge, il est déjà chauve. Tellement il est pauvre, misérable. Il n'a rien à manger. Regarde-moi un pauvre malheureux comme ça. Hein? Voilà. Le voilà ici. Regarde dans le quartier où il se trouve. La misère, le désordre. Il ressemble à la misère, à la pauvreté, à la mort. Regarde-moi un homme comme ça. Le voilà ici. Voilà un autre encore. Le voilà. Regarde comment il est vilain. Regarde comment il est sale. Hein? Et puis, il croit qu'il est, il est important. C'est lui qui vient sur terre. Regarde-moi tête. Regarde tête de quelqu'un. On dirait caca d'agouti. Regarde-moi ça. C'est lui qui vient sur terre, les gens. Hein? Vous croyez que quoi? Hein? Voilà ça. Moi, là, quand vous finissez d'insulter, là, je prends vos photos. Regarde. Il n'a même pas table chez lui pour manger. Hein? Il n'a même pas table. Regarde les rideaux qui ont rempli sa maison. Regarde comment il est sale. Et il se croit important. Regarde-moi quelqu'un comme ça qui vient insulter quelqu'un. Même mes chiens mangent mieux que toi. Mes chiens sont mieux lotis que toi. Regarde ta tête. Regarde où tu vis. Regarde ce qui est dans. Regarde, tu n'as même pas de table. C'est sur ton pied, on pose quelque chose pour que tu manges. Malheureux comme ça. C'est vous qui venez insulter les gens. Hein? Regarde-moi ça. Et puis tu as sa tête. Il ne ressemble même pas à un Ivoirien. Regarde. Quelqu'un qui est venu se chercher en Côte d'Ivoire. Un Borotien qui est rentré en brousse. Qui est monté dans le camion avec les moutons et les bœufs. Pour venir en Côte d'Ivoire. Regarde-moi ça. Hmm? Donc vous ne me connaissez pas. Hein? Regarde-moi des trucs comme ça. Vous ne me connaissez pas. Regarde comment il est malheureux. Il a tellement passé à ses soucis. Comment il a fait pour m'en sortir dans la vie. Regarde la peinture de chez toi. Regarde ton visage. C'est dégradé. On dirait goudron biodégradable. Hein? Regarde comment tu es. C'est toi qui ne penses pas à ta vie. Hein? Quand tu vois quelqu'un comme moi, regarde comment je suis paisible. Regarde mon visage, regarde ma forme, regarde comment je dors bien.
Je mange ce que je veux, ce que je veux, quand je veux, je dors où je veux. Toi, tu te lèves, hein, tu viens insulter les gens. Et comme on vous regarde, on dit rien. Voilà un encore ce matin. Le voilà ici. Le voilà. Quelqu'un comme ça. Lui là, c'est un Togolais. Qui est encore d'Ivoire, qui est devenu Ivoirien d'après lui. Regarde-moi. Toi qui es Borodra, toujours en train de ramasser, regarde sa tête. Lui là, regarde sa tête. C'est lui qui vient insulter les gens. Hein? Regarde ta maman là, qui est là, là. Ta maman t'a pas bien éduqué. Ta maman qui vend galette sur la route pour manger là. Elle t'a pas bien éduqué. Hein? Regarde, voilà ce que ta maman vend. Regarde, elle se débrouille à ça pour que, ça va être ça là, elle t'a élevé. Et tu n'es pas intelligent. Hein? Regarde ta grand-mère, elle t'a mal éduqué aussi. Ta grand-mère. Hein? Ta grand-mère t'a mal élevé. Elle t'a dit, va insulter les gens sur les réseaux sociaux. Hein? Te voilà, elle ta grand-mère. Hein? Te voilà. C'est ce que ta grand-mère t'a appris. Elle t'a dit, va insulter les hommes de Dieu. Hein? Voilà, voilà sa tête. Il ne savait pas qu'il allait réussir un jour. Hein? Il ne savait pas qu'un jour, il allait s'en sortir. Quand tu regardes ta tête, on sait que tu es Togolais. Quand on te voit là, tu n'es même pas Ivoirien. Tu es parti juste pour t'en sortir en Côte d'Ivoire. C'est toi qui mets ta bouche dans l'affaire des Ivoiriens. Là, là, ça t'a loupé. Prochainement, c'est dans ce que tu vas tomber. Ça t'a loupé. Hein? Est-ce que vous me connaissez même? Le voilà. Tu dis que tu n'es pas Togolais là. Ça là, c'est le Togo. Je connais le Togo. C'est la place du Togo. Tu m'as écrit pour dire que tu n'es pas Togolais. Regarde. Ça là, c'est à Baguida. C'est la plage de Baguida qui est là. Tu es derrière la plage de Baguida. Je connais bien ce caillou là. Je suis plusieurs fois là au Togo. Voilà. Tu es un Togolais 100%. Et c'est toi qui viens parler dans l'affaire des Ivoiriens. Hein? Le voilà ici. Balagnini. Tu te lèves matin, tu t'en soulever bagage. Hein? Tu portes casque matin, midi, soir dans la chaleur. À n'importe quel moment. Tu n'as rien. Tu n'es rien. Tes enfants conçus. Rends-moi un homme comme ça. C'est-à-dire que tu viens insulter les gens. Hein? Donc, ça c'est avertissement. Venez toujours. Venez insulter. Si vous n'aimez pas, vous ne connaissez pas la honte là. Je vais vous monter la honte. Si on moi là, je suis tombeau blanchi. Ça dit que je suis, comme on appelle, cabri mort. Moi, la honte là, j'ai dépassé son stade. Ça dit que tu crois que tu vas m'insulter, ça me fait mal. Je ne vais pas avoir courage de répondre. J'ai honte parce que j'ai titre de bishop, j'ai titre de pasteur. Tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Je suis ton terminus. Tous les autres pasteurs n'ont qu'à se taire. Moi seul, je ne m'étais pas. Tu as compris? Donc, donnez-vous bien ces nouvelles-là. Et puis, dites-vous, le monsieur là, pour lui là, c'est pas comme pour les autres. Dites-vous ça. Vous avez bien compris? Bref. Maintenant, je viens sur mon sujet. Concernant le pasteur Aimé David qui a été arrêté. J'ai fait un direct. Le pasteur Aimé David. J'ai fait un direct où j'avais dit que franchement, c'est pas normal qu'on arrête derrière la chaire. Je vais dire aux gens ici aujourd'hui. J'ai vu plusieurs vidéos où on m'a envoyé plusieurs vidéos et j'ai vu plusieurs vidéos où le pasteur Aimé David a craché d'autres pasteurs. Il a insulté, il a craché d'autres pasteurs, il a dit ses vérités, il a parlé de beaucoup de choses, même concernant le gouvernement. D'accord. Mais je viens encore pour dire, quel que soit l'erreur de la personne là, ce pasteur, qu'il soit pasteur ou qu'il ne soit pas pasteur, je reviens sur ce que j'ai à dire et ce que j'avais dit, que aller dans une église, attraper quelqu'un, même s'il n'est pas pasteur ou il dit qu'il est pasteur, derrière une chaire, un autel, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On l'attend dans son bureau. Ou on l'attend devant à l'entrée. Ou on l'attend à la porte. Ou on l'attend chez lui à la maison. Ou on va le chercher où on veut. Mais derrière la chair, en pleine cuite, ça ne se fait pas. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? On n'est pas en train de vous dire que ce qu'il a fait est bon, ce qu'il n'a pas fait n'est pas bon. Il a dit ça, il n'avait pas le droit de dire ça, il a dit ça. Et puis j'ai vu la vidéo sur les policiers. La vidéo sur les policiers que j'ai vu là.
En quoi est-ce qu'il a dénigré les policiers? On peut me parler des autres choses. On peut me parler de d'autres choses où je ne suis pas au courant, ou bien on peut me dire qu'il y a un problème. Et puis, de toute façon, je vais vous dire que son arrestation, c'est un coup monté. Ce n'est pas pour les policiers seulement. Il y a des plaintes de certains serviteurs de Dieu dedans. C'est pas pour. Il y a des plaintes de certains serviteurs de Dieu dedans. Un. Et puis, il y a des choses qu'il a dit sur le gouvernement. Deux. Et puis, cette histoire de policiers-là, c'est un argument qu'on est venu prendre pour faire sur l'histoire, pour dire oui, c'est parce qu'il a parlé des policiers, et il a eu convocation, les policiers sont menacés. C'est faux. Ça, c'est une goutte dans, le, dans la mer. Il a attaqué des serviteurs de Dieu respectés dans le pays, qui ont des avocats, qui ont des enfants policiers, qui ont des enfants juges, qui sont connus par le gouvernement. Il a attaqué un, il a attaqué deux, il a attaqué trois. Il a attaqué des chantres qui sont connus, qui sont respectés, qui sont aimés, qui sont connus dans le gouvernement et tout. Mais comme les chrétiens ne veulent pas se mettre devant, pourquoi on dit que c'est eux et que c'est à cause d'eux qu'on a attrapé le pasteur Aimé David? C'est parti sur affaire de, il a parlé des policiers. Mais quand tu regardes la vidéo même là, où il a parlé des policiers là, c'est pas que je suis venu le défendre, mais je n'aime pas l'hypocrisie. Quand tu regardes la vidéo où il a parlé des policiers, est-ce qu'il a insulté les policiers? Il n'a pas insulté les policiers. Au contraire, il était en train de défendre les policiers. Quand moi j'ai discerné la vidéo, au contraire, il était en train de dire aux policiers, votre salaire n'est pas suffisant. Donc, faites des affaires à côté de votre salaire. En quoi est-ce qu'il a insulté les policiers? En quoi est-ce qu'il a agressé les policiers? Il n'a pas agressé les policiers. C'est le gouvernement qui s'est senti touché. C'est comme s'il était en train d'ouvrir les yeux aux policiers. Mais dis à des policiers, votre salaire est 180 000. Donc, faites des affaires. Ouvrez des petites boutiques. Faites du business à côté. Ne comptez pas seulement sur votre salaire parce que votre salaire n'est rien. Après, je reconnais qu'il a une manière de parler. Je reconnais qu'il est, je ne sais pas si ce n'est pas un manque de sagesse, mais chacun sa manière de s'exprimer. Il dit ses choses d'une manière crue, d'une autre manière. Ça, on peut dire qu'il a mal dit certains trucs ou il a dit du autre. On peut dire ça. Moi, je ne rentre pas dans ce détail. Mais quand tu regardes la vidéo, il n'a pas attaqué des policiers. Il n'a pas insulté les policiers. Il a simplement dit que les policiers ont un salaire de 180 000. Donc, pour lui, il disait que les policiers devraient faire des affaires à côté et ne devraient pas compter sur leur salaire. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a un fils policier. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a reçu un policier en rendez-vous qui était en train de pleurer devant lui. Je ne sais pas si c'est parce qu'il avait une douleur pour les policiers et qu'il a parlé. Mais ça, je ne peux pas savoir, c'est son truc. Mais il n'a pas insulté les policiers. Il n'a pas agressé les policiers. Il n'a pas attaqué les policiers. Au contraire, les policiers me devaient être contents qu'il ait parlé de cette manière, qu'il les ait donné conseil. Mais après, c'est le gouvernement peut-être qui s'est senti touché. C'est le gouvernement qui s'est dit, mais c'est qui ce pasteur-là qui va exposer en public le salaire que nous on donne aux policiers? C'est comme s'il est en train de révolter les policiers. C'est comme s'il va amener les policiers à se révolter pour dire que leur salaire n'est pas beaucoup ou quoi. Donc ça, je peux le comprendre. Mais pour dire qu'il a attaqué les policiers, il a manqué de respect aux policiers, il a insulté. Si ton salaire est 180 000 et que ça ne peut rien faire, et que quelqu'un te dit ton salaire là vaut rien, donc il faut entreprendre, il faut faire des affaires à côté. En quoi est-ce qu'il t'a insulté? En quoi est-ce qu'il t'a insulté? Il t'a pas insulté. Il te donne juste des conseils. Il te donne juste des conseils pour te dire, écoute, ce que tu touches là n'est pas beaucoup. Pense à l'avenir de tes enfants. Pense à l'avenir de ta femme, de tes petits-enfants. Fais des investissements. Fais des affaires à côté. Qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Donc, on peut pas, ce que les gens veulent prendre pour dire que c'est à cause de ça, on l'a arrêté là. C'est douteux et c'est minable. Il y a beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui était guetté. Il y a une chose. Quelqu'un a dit, mais pourquoi il prend la chair où il est là? Et puis c'est sur la chair qu'il est là et puis il parle de certaines choses. Parce que c'est son lieu où il s'arrête pour parler. Après, chaque homme de Dieu a sa mission. Moi, je ne sais pas. Peut-être que pour lui là, il sent qu'il faut qu'il attaque. Moi, j'ai fait un direct presque contre lui. Je l'ai attaqué. Quand il a attaqué le pasteur Idriss Ouattara, quand il a dit quelque chose sur le pasteur Idriss Ouattara, je suis venu faire une vidéo. Mais ça, c'est parole contre parole. Je suis venu faire une vidéo pour dire que ceux qui attaquent le pasteur Idriss Ouattara, là, c'est cela. J'ai défendu le pasteur Idriss Ouattara. Si demain le pasteur Idriss Ouattara fait quelque chose que je n'aime pas, je vais venir m'asseoir encore et puis je vais dire à Idriss Ouattara, ce que tu as fait là, c'est pas bon.
Mais ça, c'est un pasteur et pasteur. S'il y avait un problème entre pasteur et pasteur ou pasteur et chante, ça se règle dans l'église. Il est temps que les chrétiens règlent leurs problèmes entre eux, qu'ils arrêtent de mettre les païens dedans. Maintenant, avec toutes ces accusations, il a attaqué Mohamed Sanogo, il a attaqué Guy Vincent, il a attaqué Idriss Ouattara, il a attaqué, Nestor David, il a attaqué un autre chanteur encore là. Il a attaqué un autre chanteur. Il a dit plusieurs choses. J'ai vu plusieurs vidéos. Hein. Je vous dis que j'ai vu plusieurs vidéos où il a attaqué. Bon, si ces personnes ne sont pas contentes et que ces personnes-là ont des connaissances dans la politique, ils ont des connaissances dans la police, ils ont connaissances dans la justice ivoirienne, c'est sûr que ça fait déjà beaucoup de dossiers contre lui. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur un seul truc pour dire que voilà pourquoi on l'a arrêté. C'est faux. C'est faux. Je suis venu dire aux yeux du monde, ceux qui disent que c'est parce qu'il a parlé de position, on l'a arrêté. Fermez votre bouche, arrêtez de nous partager cette vidéo. C'est faux. Moi, ma père tient normal. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me blaguer ici. Voilà, c'est faux. Maintenant, après avoir attaqué tous ces pasteurs, il a attaqué aussi le gouvernement. Il a dit des choses concernant la mort de Bédier. Il a dit des choses sur la guerre. Il a dit des choses sur... il a parlé de Sorodium, il a défendu Sorodium, il a dit des choses, si vous regardez toutes ces vidéos, il a dit des choses que le gouvernement n'a pas aimé, il a dit des choses que certains pasteurs n'ont pas aimé, il a dit des choses que certains chantres n'ont pas aimé. Donc c'est beaucoup, couper cette partie-là et puis envoyer ça à tous ceux qui sont en train de dire que c'est à cause des policiers, prenez ma partie que j'ai dit là, qui dit c'est faux là, collez ça à la vidéo des policiers qu'on parle. Et puis, les gens vont comprendre que c'est faux. C'est faux. C'est faux. Parce que ce qu'il a dit sur les policiers, il n'a rien dit de mauvais. Il dit, si tu es un policier, le salaire des policiers, c'est 180 000. Donc, il est en train de dire que le salaire des policiers n'est pas beaucoup. Et dans sa vidéo, il dit aux policiers de faire des affaires à côté. Sinon, ils peuvent avoir des problèmes. Parce que leur salaire n'est pas beaucoup. C'est comme s'il était même, en quelque sorte, en train de défendre les policiers. C'est comme s'il défendait la cause des policiers dans la vidéo que moi j'ai écoutée. Moi j'écoute les choses, je discerne, je vérifie les choses. J'écoute pas comme un mouton. C'est pas parce qu'il a dit le mot policier qu'il a insulté les policiers. Il faut écouter ce qu'il a dit. Il faut écouter ce qu'il a dit. Donc il a parlé des policiers mais pas mal. Donc quelque part c'est qui ça dérange? C'est le gouvernement que ça dérange. Parce que c'est le gouvernement qui paye les policiers. C'est le gouvernement qui donne 180 000 aux policiers. Si on dit que le salaire des policiers n'est pas beaucoup, ça dérange le gouvernement. Donc, c'est comme si dans ces temps où c'est un peu chaud là, surtout qu'il a défendu Sorodium, il a parlé bien de Sorodium, et puis il vient encore parler du salaire des policiers. Donc, les gens se disent, mais lui là, comme on le laisse parler, ça coule, ça, il continue. Et sans oublier qu'il y a des pasteurs en cachette qui ont porté plainte. Il y a des chantres en cachette qui ont porté plainte. Et puis, eux, ils se sont mis derrière. Ils ont dit, oh, si nous, on sort, ils vont dire que c'est dans l'église, pourquoi on ne règle pas les choses dans l'église? Donc, ils ont confié ça à leurs enfants qui sont policiers, à leurs enfants qui sont juges. Maintenant, comme il a dit des choses sur le gouvernement aussi, ils ont appuyé dessus, on l'attendait, on le guettait. On l'attendait et on le guettait. Donc, comme le mot policier est sorti, le mot salaire, ils ont pris cette vidéo seulement pour dire non, c'est à cause de ça, on l'a arrêté. Arrêtez de mentir aux gens. Et puis même, si tout ça là, il a tort, que c'est à cause de ça, vous voulez l'arrêter, je redis et je répète, on ne rentre pas dans une mosquée pour aller attraper un imam en plein prêche. On ne rentre pas dans une mosquée pour aller attraper un imam un vendredi. En plein prêche, l'imam est en train de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahir Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Et il est en train de prier, et puis on rentre à la mosquée, on arrête la prière, on attrape l'imam derrière son autel. Jamais ça va se faire et ça ne se fait pas. On attend l'imam après la prêche. On attend l'imam après la prière. Quel que soit son crime, on le prend devant la mosquée, on le prend dans son bureau, ou on le prend dans sa voiture, on le prend où on veut, mais pas derrière la chair. La chair est sacrée. Et je répète, on n'avait pas le droit d'envoyer des gens monter sur la chair
pour attraper un homme, quel que soit le crime qu'il a commis, ils attendent, il est dans l'église déjà, ils sont là, ils attendent devant, quand il finit, on le prend, et puis c'est fini. Et puis, c'est fini. Mais monter derrière la chair en plein culte, ce n'est pas respecter le Dieu que nous servons, ce n'est pas respecter Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas respecter la chair. Donc, s'il y a un chrétien qui est derrière ça, c'est un chrétien qui ne croit pas en Dieu, il fait semblant d'être chrétien. S'il y a un pasteur qui est caché derrière ça, c'est que c'est réellement un franc-maçon. C'est que ce n'est pas quelqu'un qui prêche Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que vous ne voulez pas qu'on vous dise? Moi, j'aime la vérité. Je n'ai pas dit que tout ce qu'il fait est bon. Je n'ai pas dit que tout ce qu'il dit est bon. Je n'ai pas dit qu'il a raison dans tout ce qu'il a fait. Il y a des paroles, même des propos même qui peuvent être choquants, sa manière de le dire qui peut être choquant. Moi-même, je peux le prendre comme ça et puis dire, mon frère, il y a une manière de parler, tu es derrière la chair là. Tu passes ton temps à attaquer les hommes de Dieu. Le côté même où il attaque les hommes de Dieu seulement derrière la chair. Moi, je peux lui reprocher ça en tant que frère. Pour lui dire, frère, non, tu vas prêcher, tu prêches. Si tu veux faire tes vidéos chez toi, pour régler des problèmes, règle. Mais derrière la chair, là, il faut plus t'arrêter pour attaquer des hommes de Dieu. C'est pas un lieu où on attaque des gens comme ça. C'est un lieu sacré. Moi, je peux lui dire ça. Mais, se lever, envoyer des petits policiers, monter sur la chair, un homme de Dieu en train de prêcher, on le prend devant ses fidèles parce que, soi-disant, il a dit ça. Soi-disant, il a dit ça. Soi-disant, il a dit ça. Mais j'ai dit, oh, en Côte d'Ivoire, là, il y a un pasteur, ils ont égorgé un chantre dans son église. Est-ce que les policiers sont allés l'attraper en plein culte? Il y a même un qui a tué sa femme. Est-ce que les policiers sont allés l'attraper en plein culte? Il y a des pasteurs en Côte d'Ivoire qui font des choses, on ne peut même pas expliquer. Est-ce qu'on va les attraper en plein culte? Non, parce qu'ils dérangent personne. Parce qu'ils sont dans des loges. Parce qu'ils sont dans les loges. Vous avez compris? Apprenons à respecter le sacré. Même ce qui s'est passé, si c'était un imam qu'on avait attrapé derrière son hôtel, sa chair, en train de prier le vendredi avec ses fidèles, j'allais pas être content. J'allais dire non, ça c'est pas bon. On fait pas ça. C'est pas parce que c'est un pasteur. Le lieu sacré, c'est un lieu sacré. Si la personne est mauvaise, réglez le problème de la personne. Mais laissez le lieu sacré, sacré. Ceux qui sont montés sur la chair, là, on sait d'où il vient. Quel péché il vient de commettre. Chez quelle prostituée il est rentré. Qu'est-ce qu'il a? Quel gris-gris il a au rein? Quel fétiche il a porté pour rentrer là-bas? Il y a des choses qu'on ne fait pas. Ça envoie la malédiction. Donc, je répète, s'il y a des pasteurs et des chantres cachés derrière cette affaire, retirez-vous de cette affaire. Faut pas que votre nom soit dedans. Ça va pas vous porter bénédiction. Maintenant, de deux, concernant le gouvernement, on sait qu'ils ont déjà arrêté prophète parce qu'il a prophétisé, imam parce qu'il a dit la vérité, pasteur parce que ça, c'est pas la première fois. C'est leur manière d'intimider les gens. Mais on ne peut pas arrêter le dessein de Dieu. On peut me dire aujourd'hui, oh, le pasteur David n'était pas sage. Le pasteur David, là, il parlait mal aux gens. On peut me dire, le pasteur David, là, il a fait ceci. On peut lui reprocher tout. Je peux dire à quelqu'un, je suis d'accord. Ce que tu dis est vrai. Mais je dirais toujours, aller derrière la chair, là, et puis le prendre la main, ça se fait pas. On attend. Il finit, on le prend. Il va répondre à ce pourquoi il doit répondre. Et puis c'est fini. C'est fini. Qu'est-ce qui est compliqué dans cette histoire? Donc, je suis venu éclaircir les choses là-dessus. Ce n'est pas à cause de ce qu'il a parlé des policiers. Ce n'est pas ça. Il y a beaucoup. Si vous voyez tout ce qu'il a dit, si vous voyez tout ce que ce monsieur a dit, hein, si vous voyez tout ce que ce monsieur a dit, il a dit beaucoup de choses. Il a attaqué, il a dit des vérités, il a dit plein de choses, il a attaqué, il a dit plein de choses. Donc, ce n'est pas ça seulement. Et puis, ce qu'il a dit sur les policiers, ce n'est pas quelque chose de, comment on appelle, Sogodogo Gakariga, avec ton nom de Burkinabé là. Au début de ce direct, j'ai dit que j'insulte les gens que je n'ai pas honte. Ta maman, sa bouche pue de la même manière que l'autre côté pue. Tu as vu? Tu es bête. Et en plus, tu n'es même pas le fils de ta mère. Ta maman s'est promenée tellement que ton papa même là, il se demande, tu es l'enfant de quel voisin? Si tu es bête et tu es impoli,
Moi, j'ai dit que je n'ai pas honte d'insulter quelqu'un. Tu viens sur mon direct, puis tu m'as commentaire, viens le libérer. C'est ton grand-père qui a été déjà enterré là. Il va t'appeler dans le tombeau, et puis vous deux, vous allez aller le libérer. Voilà, c'est fini. C'est pas compliqué. Parce que j'ai dit, hein, dès le début de mon direct, s'il y a des gens qui sont bêtes, bêtes, qui pensent que leur bouche est plus sale que tout le monde, moi, je peux leur montrer que quand ils me lèvent, ma bouche sent, c'est après je vais brosser, puis ça devient normal. Là, je ne fais pas de problème avec ça. Oh, pour ton image, faut pas parler comme ça. Oh, t'es ceci. Moi, j'ai dépassé ce stade, image-là. Celui qui veut, n'a qu'à prendre ma photo, il va déchirer. Je n'ai pas de problème avec. Voilà. Des enfants impolis comme ça, viens les libérer. Écoute, tu es bête, écoute ce qu'on dit d'abord. Tu écoutes ce qu'on dit. T'as compris? Tu écoutes ce qu'on dit, qu'on vient le libérer. Ta maman, là, toujours, elle se gratte. Elle se gratte derrière, elle se gratte devant. Même dans, en haut, elle se gratte. Tu es pourri, tu pues, tu es tellement sale. Dans tout est sale dans ta vie. Tu es maudit, tu ne vas jamais réussir dans ta vie. C'est pourquoi tu as des réponses comme ça. Voilà. J'ai fini. C'est moi. Atia normal. Il n'y a pas mon deux. Atia normal à ti propre. Moi-même, là, j'ai peur de moi-même. Tu es venu me provoquer, je suis comme l'eau. Tu me donnes couleur rouge, je te donne rouge. Tu me donnes couleur bleue, je te donne bleu. Tu me donnes blanc, je te donne blanc. L'eau change de forme et de couleur selon le désir de la personne qui obtient l'eau. Moi, je suis comme l'eau. Tu viens là, ce que tu cherches là, je te donne ça tranquille et puis tu t'en vas. Même physiquement, tu me vois, tu dis, on n'a qu'à faire autre chose. Je vais te montrer qu'il y a un peu dans mon corps. Voilà, tu as gagné ou tu n'as pas gagné, mais tu vas prendre cher et puis on continue notre chemin. C'est tout. Moi, je suis comme ça. Voilà. Donc, faut venir le libérer. C'est des gens qui sont bêtes. Qui bête des commentaires comme ça. On attend de dire quelque chose qu'on fait. Qui a parlé de libérer ici? Qu'on faut venir les libérer. Là, moi, on vend des trucs comme ça, là. Oh. Il y a des fois, mais le Saint-Esprit me dit pas arrête d'insulter, hein. Bah, il est d'accord. Comment quelqu'un peut être là matin, midi, soir, puis on insulte? Matin, midi, soir, on attaque. Donc, c'est pas Dieu qui l'a mis au monde aussi. Moi, je suis pas une plateforme d'injures, hein, où les gens viennent et puis ils insultent. Je suis pas né pour suivre les gens. Je suis pas né pour être tapette. Je suis pas né pour être poubelle. Je suis pas né pour comment. Tu m'insultes, moi aussi un bonsoir. Et t'insultes aussi. Pia! Si Dieu dit parce qu'il a répondu, Dieu c'est pas Facebook. Si il dit parce qu'il t'a répondu qu'il veut pas qu'il rentre au paradis, il n'a qu'à fermer. Voilà. Donc, ceux qui ont commenté, ils font des commentaires mieux. Paisible, compréhensible. Mais des choses bêtes, bêtes comme ça, vous aurez vos réponses. Donc, je répète, ce pasteur a attaqué beaucoup de personnes. Ce pasteur a attaqué d'autres pasteurs. Alors, moi, je n'admets pas, j'ai déjà fait un direct là-dessus, que quelqu'un se mette là, il se met là, et au lieu de prêcher, Mohamed Sanogo, c'est que, et il dit Ouattara, dit Vincent, mais c'est leur vie. Donc, ça, je peux pas admettre, je peux pas accepter, je peux pas dire qu'il a raison. Il a attaqué des chantres. Je peux pas admettre, je peux pas dire qu'il a raison. Parce que, il est allé peut-être même un peu trop loin. Ça, je peux le dire. Bon. Maintenant, il a attaqué le gouvernement. Il a défendu sur le dôme. Il a dit beaucoup de choses. Mais, donc, ça veut dire que le dossier est grand. Mais qu'on ne vienne pas nous dire que c'est parce qu'il a parlé des policiers, on l'a arrêté. Ça, c'est l'hypocrisie, c'est une mascarade. C'est une manière de masquer quelque chose. C'est une manière, on prend quelque chose et puis on peut dire qu'on prend un seul petit sujet pour dire, vous voyez, c'est parce qu'il a parlé du salaire des policiers, c'est parce qu'il a parlé du salaire des policiers qu'on l'a mis, on est venu l'arrêter. Bon, quand il regarde la vidéo, il a parlé du salaire des policiers, il n'a pas insulté les policiers, il n'a pas agressé les policiers. Il a donné des conseils aux policiers. Mes chers, moi, si j'ai un fils policier, s'il touche 180 000, je dis mon fils. Ouvre-toi un magasin, fais un commerce pour ta femme, et puis et commence à investir, parce que ce salaire-là, c'est pas beaucoup. Et puis, comme ça, un jour, on ne sait jamais, tu peux t'en sortir, tes enfants. C'est un conseil qu'il a donné, mais il l'a donné d'une manière autre. Mais il n'a pas attaqué les policiers. Donc, on ne peut pas dire parce qu'il a parlé des policiers, on avait, c'est faux, c'est du mensonge. Donc, déjà, il a été déjà arrêté. C'est déjà fait. Hein? C'est déjà fait. Il dit, Bishop, qu'est-ce qu'il a des policiers? Qu'est-ce qu'il a des policiers? Oui, il n'a rien dit de mal. Donc, vous voyez, non?
Donc, moi, j'ai fini avec ce direct. Je voulais éclaircir les choses parce que les gens n'arrêtent pas d'envoyer des vidéos. Il y a même des gens qui m'écrivent sur WhatsApp. Oh, Bishop, tu as parlé, mais voilà le sujet pour lequel on l'a arrêté. On m'envoie vidéo de policiers. Il y a d'autres qui partagent sur Messenger. Il y a d'autres qui partagent sur WhatsApp. Il y a un mec, je l'ai répondu hier. Il ne m'envoie plus cette vidéo. Je l'avais déjà vue avant que toi-même tu le voyes. Bon, je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas les gens dans tout. Moi, j'examine les choses. Ce monsieur a été arrêté parce qu'il parle trop. Il a été arrêté parce qu'il dit des choses haut et fort, des choses que les gens n'osent pas dire. Il le dit d'une manière crue. Et il le dit dans son église. Il le dit dans son église d'une manière crue. Je ne sais pas si c'est Dieu qui lui a dit de faire ça, mais c'est ce qu'il fait. Donc il y a plusieurs sujets. Surtout le sujet le plus dangereux, c'est quand il a parlé de Soro Guillaume. Vous savez que le gouvernement ivoirien n'aime pas qu'on parle de Soro Guillaume. Ils ont pris avion pour aller chercher Stevie Biko en Mauritanie parce que Stevie Biko a partagé une vidéo de Soro Guillaume qui dit qu'il arrive, qu'il est au Niger, des trucs comme ça. C'est fini. Ils sont allés l'attraper pour le mettre où on ne sait pas où. Donc, dès que le nom de Soro Guillaume va sortir, ils ont attrapé des gens de Soro Guillaume. Donc, le fait que dans une de ses vidéos même, il a défendu Soro Guillaume, il a parlé de Soro Guillaume, c'est fini, il est devenu l'ennemi numéro un du gouvernement. Donc, on le guette. À part tout ce qu'il avait dit avant, il va avoir la guerre, la CAN, il va avoir des problèmes, des choses. Il a dit plein de choses. Ce que nous tous, nous disons de temps en temps. En plus de cela, il a attaqué des pasteurs qui sont très connus en Côte d'Ivoire. Des pasteurs qui ont des enfants spirituels, juges, qui ont des connaissances dans le gouvernement, qui ont une adresse, un carnet d'adresses bien chargé. Des pasteurs qui ont l'argent, qui peuvent payer n'importe quel avocat, n'importe quel juge. Il a attaqué des chantres. Donc, tout ce qu'il a fait là, les pasteurs là, eux, ils sont derrière. Il n'y a pas un pasteur qui l'a attaqué qui va me dire qu'il n'est pas content, il n'est pas derrière. C'est faux. Ils sont derrière, ils ont porté plainte. Ils sont derrière. Mais ils ne veulent pas qu'on entende parler d'eux. Pour eux là, s'ils s'exposent, ça va rester sur eux. Donc, il faut un argument pour attraper cet homme sans qu'on parle de ces pasteurs qui ont été attaqués. Le gouvernement aussi, il faut un argument pour attraper cet homme pour ne pas qu'on dise que c'est parce qu'il a sorti certaines vérités qu'on l'a attrapé. Donc, le seul sujet qu'ils ont trouvé, c'est quand il a parlé du salaire des policiers. Mais en quoi est-ce que dire à des policiers qu'ils doivent investir parce que leur salaire n'est pas beaucoup, en quoi est-ce que c'est mauvais? Donc, à chacun d'ouvrir ses yeux. J'ai fini de parler. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Au revoir. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Copiez-la. Faites des montages. La partie surtout où je dis la vérité, les autres parties où j'ai réglé mes comptes avec ceux qui insultent là. Si vous voulez, vous pouvez laisser ça de côté. Mais faites des montages. Coupez la vidéo. Faites un montage de ce que j'ai dit, la vérité, sur la vidéo des policiers là. Collez ça. Coller les deux et puis partager pour que tout le monde sache que ce n'est pas à cause de cette histoire de policier que tout. Donc, faites ça, envoyez-moi, mais partagez aussi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.